Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va jouer à GT64 Championship Edition, licencié par Nintendo, édité par Imagineer. Oui. Imagineer, je sais pas comment on prononce ça en anglais, mais c'est pas grave. Donc, en gros, sorti en 1998 sur la Nintendo 64, vous l'aurez compris. Pressé start. Alors, du coup, j'ai pressé start un peu trop tard, donc il va me remettre licencié de Nintendo. Avec l'introduction, on va refaire start directement. Donc, un jeu qui reprend le GT500 japonais en version cette fois-ci française, enfin en tout cas il y a trois langues au démarrage, mais la version française. Un mode championnat, mode contre-la-montre, un mode deux joueurs, un mode record qui ne sert à rien, et un mode option. Je vais montrer le mode option. On a quelques petits réglages, donc l'affichage des écarts, oui ou non, l'affichage de la carte, oui ou non, le son en stéréo ou en mono si vous avez un truc qui a 20 ans, même 50 ans, effacer le record et sortir. Alors je vous propose pour commencer de faire mon contre-la-montre, histoire de voir un petit peu le maniement de la voiture, les graphismes, les voitures disponibles. Et on a des vrais pilotes, regardez, on a Tajima Gusens. Alors Gusens, je me souviens, parce que Gusens il était en 97 en Formule 1 Nippon. Et donc là par exemple on a la 5DGen Supra, qui est ignoble dans cette version-là. Je préfère vraiment cette version-là, vous voyez la différence quand même. On a Monsieur Krum et Pedro de la Rosa. D'ailleurs, je crois que pour la petite histoire, le Monsieur Krum, enfin M. Krum, je sais plus comment il s'appelle son prénom, c'est le mari de Date Krum, qui est une tenniswoman, pardon, en WTA, qui était longtemps dans le top 100 mondial, et elle a été, alors qu'elle était très très âgée, enfin en tout cas pour faire du tennis. Voilà, un peu comme maintenant à l'heure actuelle avec Venus Williams. On a Pedro de la Rosa, vous aurez reconnu d'ailleurs, qui a fait de la Formule 1 juste l'année suivante. On a alors T Suzuki, je pense que c'est Toshio Suzuki, je peux me tromper. On a Sekiya aussi. On a Castrol Serumo Supra, alors c'est marrant parce qu'ils sont trois. On a Takeshi, j'ai du mal à dire, c'est un Imeji. Et on a Kaneshi aussi qui a fait la Formule 1 Nippon. On a Kageyama Tanigawa. On a une Denso Supra, c'est que des Supra hein, pour le moment. On passe chez les Skyline, donc Nissan Skyline avec Agori Suzuki. Là c'est vraiment Agori Suzuki, on le reconnaît, et Eric Comas. Donc vous aurez compris quand même pas mal de pilotes de Formule 1 dans le lot à l'époque. Hein. Asemi et Tanaka, donc là c'est toujours le Nissan GX. Si vous avez vous souvenez de Gran Turismo 3 ou même de Gran Turismo 2, on a même roulé avec cette voiture. K-Sonic Skyline, donc c'est des modèles ultra mythiques quand même, hein. Pour ceux qui aiment bien le sport automobile. Des modèles que vous connaissez déjà. Oshino, celui qui avait, il me semble, balancé son casque alors qu'il était en bataille pour le titre en Formule 1 en 96. Motoyama. On a Kageyama et Kondo. Kondo, et ouais, j'arrive pas à comprendre. Oui, c'est un N ou un M? Je pense que c'est un N, Kondo. Lui aussi. On a la Courier R33, donc c'est une Skyline. Ensuite, on a Nissan 300 ZX GTS avec Takahashi et Tachikawa. Celle-là aussi, un modèle très connu. On a la Dom Mugen NSX, donc il n'y a qu'une seule hein, pour le stand Nissan 300ZX. On a aussi donc la Dom Mugen, c'est la Honda NSX avec Yamamoto et Kurosawa. Aida et Takahashi pour la Rebrug, je peux comprendre, Rebrig NSX, enfin, celle qu'on voyait souvent dans Gran Turismo 3. On a aussi une Porsche. Avec le Imagineer GTR, alors évidemment c'est le mec qui s'occupe du jeu, donc je pense qu'ils s'en fait plaisir. Mais c'est une Porsche. Et on a la Ocean GTR qui est avec une... quel est ce modèle? On dirait une Saline. Saline GTR, je sais peut-être que ça doit être ça. Ou une Lamborghini, non. Je sais pas trop, j'aurais pas connaître la voiture, vous me direz dans les commentaires. Bah, je vous propose de prendre une voiture un petit peu au hasard, bah, et pourquoi pas la 300ZX. On va se mettre en vitesse manuelle. On n'a pas beaucoup de circuits, c'est tout des variantes. Par exemple, pour la variante courte et longue du circuit Japon. Le circuit européen en version longue ou version courte. On a les USA en version courte et version longue. Et on revient par défaut. Peut-être des circuits à débloquer, pour le moment, j'en ai pas vu. On va prendre. Alors, je propose de commencer par le Grand Prix d'Europe court parce que je pense qu'on va pas le voir souvent. On va faire les réglages, on va voir ce qu'on a. Alors on a les pneus, on a plusieurs types de pneus, on peut, voilà, ça nous aide, hein. Type 1 jusqu'à type 5, on va prendre des pneus les plus tendres, comme ça au moins on aura un bon grip.
Ensuite, on a la suspension avant-arrière, les ailerons avant-arrière. J'en ai les ailerons avant au maximum. Attends, on va mieux tourner. L'aileron arrière, on va le laisser à 3. La boîte, on va la laisser comme ça, on va pas sortir. Et on va démarrer le jeu. Et donc c'est parti. Oh là là, l'auteur qui part directement sur le côté. Alors évidemment, je peux utiliser le bouton digitaux ou analogique pour tourner. Et là, vous allez comprendre directement le délire avec ce jeu. Alors c'est pas un mauvais jeu en soi. Mais alors je trouve le maniement très particulier, vous allez comprendre pourquoi. Donc là on a 193 km/h. On va freiner, un gros freinage. Vous voyez, je lâche le frein. Et la voiture va commencer à glisser. Ça ressemble un petit peu du Ridge Racer, je trouve, dans le maniement. Vous allez voir comprendre pourquoi. C'est au niveau de la glissade. C'est un peu particulier. Là je freine. Si j'accélère un peu fort, la voiture va partir instantanément du QE. Donc du coup, elle va glisser de l'arrière. Pas de musique. C'est un petit peu dommage. On a... Bon, après, c'est un jeu qui est censé être un tout petit peu réaliste. Donc voilà, on va faire avec. On a encore un autre virage à droite dans le tunnel. J'y réalise parce que c'est le genre de circuit qui n'existait pas à l'époque. Pour jeter 500, il faut pas déconner non plus. Vous voyez, si j'accélère un peu fort, là ça va. La 310 c'est plutôt stable dans les courbes. Par contre, vous allez voir les virages là. Il faut freiner un peu. Vous voyez, quand on freine, la voiture se met à glisser. Je crois pas, on a un changement de vue. Voilà, on a plusieurs vues. On a vu capot. Vraiment capot proche, capot éloigné, proche de la voiture, encore plus loin. Je pense que la meilleure vue c'est celle-là en tous les cas parce que c'est la plus pratique. Et là je crois que je suis rentré au stand, non? Enfin, je suis arrivé sur la ligne droite. Donc j'ai fait un petit peu n'importe quoi. On a le bouton peut-être pour regarder en arrière. Alors attendez, c'est un petit peu difficile à utiliser. Voilà, on peut regarder derrière aussi. Et là j'ai tapé exactement au même endroit. On peut évidemment avec les gâchettes changer les vitesses, donc là on est en automatique donc ça ne sert à rien. Et on peut se mettre en manuel si on a envie. Je vais rechanger la vue un peu plus proche, c'est lui pas mal non plus. Donc, vous voyez, on va à 200 km/h, mais je trouve que l'effet de vitesse est quand même assez moyen, on n'a pas une énorme sensation. Alors, je vais faire un drift pour pouvoir tourner, finalement je vais quand même prendre le mur. Vous remarquerez qu'on n'a pas de dégâts non plus. Un petit effet de réverb dans le tunnel, plutôt sympa. J'accélère à fond et du coup pour sortir c'est la galère. Alors ce que je trouve déjà au niveau des graphismes ultra moches, c'est la piste en elle-même. Alors pas les alentours, mais vraiment le, ouais, la route. On a l'impression qu'on est dans une multitude de rails comme pour les trains. Et c'est vraiment, vraiment bizarre. Oh, on a juste esquivé le saut, parfait. Enfin, le mur, pardon. Ouais, là, je suis à fond, on a l'impression de se traîner, quoi. C'est pas super rapide. Le bouton Z sert à rien. Là, je peux rentrer dans le stand, j'aurais pu vous montrer les pits. Ce que je vous propose, c'est qu'on va essayer une autre piste. Par exemple, les USA. Et ensuite, on essaiera une nouvelle voiture. Donc on va faire sortir oui. Et on va tester... Alors je peux mettre mon pseudo. Voilà, je pense pas en faire un très bon temps, hein, mais bon. Deuxième record du tour, ouais, pourquoi pas. Ouais, il n'y a pas de... En gros, concrètement, il n'y a pas de temps déjà établi. Et regardez la petite capture d'écran. Est-ce que ça vous fait penser au circuit sur lequel on était? J'ai pas l'impression. Donc on va faire menu précédent. Je vais vous dire, on va faire encore menu précédent. On va changer de voiture, on va prendre par exemple une... pourquoi pas une NSX, hein, par exemple. On va prendre celle-là. Ou celle-là, comme vous voulez, de toute façon peu importe. On va faire en automatique toujours. On va changer, on va mettre le Grand Prix des USA. Et on va voir si par exemple le bruit de la voiture est différente. J'ai l'impression que c'est totalement différent. On va attendre de comparer dans la vidéo, pour moi, il n'y a pas grande différence. Alors attention de ne pas aller tout droit. Hein.
Oh, on dirait Phoenix. Je sais pas pourquoi, le premier virage, le deuxième virage, on dirait Phoenix. Aïe, vous avez vu comment la voiture glisse totalement de l'arrière. Ouais, petit effet sur la voiture quand on est en pleine vitesse avec les étincelles à l'arrière. Donc oui, c'est un jeu qui est plutôt propre hein, visuellement. Bon, c'est très carré, il y a peu de polygones, c'est un petit peu dommage. Surtout pour un jeu qui est sorti en 98, sachant que la console était sortie 2 ans plus tôt, donc c'est pas un jeu de début de carrière de la 64. Mais je trouve le jeu correctement bien réalisé dans ses graphismes. Les textures sont très propres. Hormis la texture de la piste, voilà, je trouve un petit peu bizarre. Le reste est quand même assez cohérent. Ça manque d'effet, mais bon, c'est quand même correct. On a un clipping qui est pas trop marqué. Ça, c'est plutôt bien aussi. Mais là, typiquement, la 64 est pas mise à bout. Hein. Il n'y a vraiment pas grand chose à afficher pour elle. Du coup, ça reste plutôt fluide. Par contre, ce que je regrette énormément avec ce type de jeu, c'est le maniement. Alors certes, il n'est pas totalement arcade. Il se veut légèrement simulation. Vous voyez, quand je commence à glisser, c'est du drift, quoi. C'est un petit peu n'importe quoi. Allez, là, je la fais partir. Hop là, on reprend l'axe. Là, je reframe parce que je sais que je pourrais pas prendre de vitesse, voilà. On a un virage un peu en courbe. Eh, on dirait Phoenix, hein. La fin du circuit de Phoenix, c'est ça, hein. C'est le Grand Prix de Phoenix. Ok, bien. Ouais, j'avais bien deviné, hein. C'est le Grand Prix de Phoenix. Bon. Donc, on a un indicateur de temps hein, pour nous dire si on avance ou en retard. On va finir juste un petit tour et après on fera un mode course. Évidemment, le plus intéressant, c'est pas les essais libres mais la course. Je fais drifter la voiture, ça sert à rien, j'ai l'impression de faire plus de temps qu'autre chose. Non, moi je vous aurais montré les trois circuits parce que après on va faire le premier hein, en jouant en mode course, on fait la première version du tracé, c'est-à-dire le circuit du Japon. Qui se base en ville, pardon. On est pas loin de la plage hein, aussi. Alors ce que j'aime c'est que c'est un jeu qui est quand même assez coloré. On pourra pas dire le contraire. On va arriver dans la grande ligne droite pour finir notre tour normalement. Enfin, pas encore finir le tour, mais presque. Les checkpoints. On a 4 secondes de retard sur notre tour. Je pense qu'on peut faire mieux. Ouais, j'ai vraiment tapé. Pas de dégâts sur les voitures, je vous le rappelle. Donc, on peut faire un peu ce qu'on veut en piste. Allez, là, je vais à fond. Je glisse. C'est vraiment un maniement très très spécial, je vous conseille vraiment d'essayer pour le croire, c'est vraiment difficile. On n'en a pas d'impression de vitesse. Voilà, par exemple j'ai l'impression d'être à 100 km/h alors qu'on est à 220 quand même. On va faire start, on va faire sortir oui, et on va faire un petit... oui j'ai complètement non, si vous voulez, pas de soucis. Ouais, mais ça correspond pas, regardez, on a une voiture de taxi. Pourquoi ils ont mis ce fond d'écran, enfin cette image derrière, c'est un peu ridicule. Allez, on va faire quitter le jeu. On va se mettre, on peut faire deux joueurs si on veut, mais je suis tout seul. Donc on va faire un nouveau championnat. On va prendre une autre voiture, alors j'ai bien envie de prendre celle-là. Parce qu'elle est maniable par contre, ça veut rien dire. Mais pour faire plaisir à certaines personnes, on va prendre la Castrol Tom Supra, on va prendre celle de Batécrou. On va choisir en fait le pilote qu'on veut. Alors on peut faire un mode aléatoire pour le championnat, mais on peut changer. C'est-à-dire si je veux mettre d'autres opposants, j'en mets d'autres, tout simplement. Donc on va laisser ça comme ça, je pense que c'est plutôt bien configuré. Et on va faire sortir. On a le niveau de difficulté facile, normal, dur. Je vais essayer en normal pour voir ce que ça aurait donné si on avait rien touché. On va regarder 3 tours. On a des qualifications. Je vais pas en mettre. On va faire un seul tour. Et on va faire. On va faire démarrer les qualifications du début.
Donc si vous adorez l'époque Supra, MSI, Scala, etc., vous allez, je pense, aimer. Voilà, on a un petit tour de choc et finalement, je trompais, je pensais qu'on commencerait par le circuit du Japon, mais en fait pas du tout. Et petite bonne nouvelle d'ailleurs, le bruit de la voiture n'est pas le même. Alors n'ayant jamais eu de Supra en vrai, enfin en tout cas jamais connu de Supra en vrai, je ne saurais pas vous dire si le son est réaliste ou pas. En tout cas, ça ressemble. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que c'est vraiment différent des autres voitures. Alors, je vous montre un peu la voiture de plus près. Ma foi, elle n'est pas spécialement mal réalisée, mais elle manque beaucoup de polygones, surtout ça. C'est quand même scandaleux à ce niveau-là. Enfin, je vais non pas être méchant avec la 64, mais c'est une voiture qui a des capacités graphiques bien plus élevées. On est sur une base silicone graphique quand même. Et finalement, bah, la 64 m'en profite que très rarement. Alors effectivement, il y a le pad pour augmenter la mémoire. La mémoire de texture. Hein. Et en termes de polygonage, elle est censée pouvoir quand même avoir beaucoup plus de polygones, cette console. Et donc c'est un petit peu triste quoi, de se dire que, bah, voilà, hein, encore une fois, le jeu aurait pu être encore beaucoup plus beau. Même s'il n'est pas non plus moche, hein, loin de là, et il aurait quand même pu être mieux. On a une grosse courbe. Vous voyez là par exemple, j'ai pas réussi à tourner, hein. J'ai voulu faire ce que je voulais. En plus, il fait n'importe quoi. Allez, c'est pas grave, on va partir pour un tour de qualification. Alors, c'est un jeu que je voulais faire il y a bien longtemps, il y a au moins 7 ans. J'avais pas pu faire à l'époque parce que le jeu bah, a souffert de lenteur énorme. Et là, bon, bah, c'est bon, on a enfin réussi. On change un peu la vue pour voir un peu, petit peu plus loin. Par contre, on va bien freiner là. Alors, on va taper à nouveau. Vous voyez, quand elle commence à partir en dérapage, c'est quasiment impossible de l'empêcher de sortir. Alors c'est pas forcément stressant à piloter, mais bah voilà, on est quand même. On se demande si on est rapide. Là par exemple, bon, je prends mon virage, tout va bien. Mais j'arrive pas à me comparer à la voiture pour savoir si on est rapide ou pas. Je pense qu'en mode normal, on va galérer. Je vais aller voir. Je ne sais même pas quel temps on va faire par rapport aux autres. Donc là, par exemple, je me suis complètement loupé. J'aimerais vous montrer les stands aussi. Est-ce que ça change quelque chose? Est-ce qu'on a une animation? Et voilà, le tour est fini, on est en 2020, je pense que le temps est plutôt exécrable, enfin logiquement il devrait l'être. Et on part quatrième? Oh, et on a deux Dead Qualifying, incroyable! Alors on a quand même le numéro 1, enfin l'équipe Imagina, évidemment, hein, celle de l'équipe du jeu, qui est devant, hein, elle a mis quand même une seconde au second. Et on part quatrième, et ça me fait penser qu'il n'y a que 8 voitures sur la grille, par contre la 8ème n'est pas qualifiée. C'est quand même extraordinaire, c'est-à-dire qu'en fait on va jouer à 7 là. Je vous propose de faire bah, démarrer, on va faire comme ça directement. Donc l'épreuve courte, c'est parti. C'est un départ lancé d'ailleurs. Il me semble que c'est le cas d'ailleurs à l'époque, hein, c'est un départ lancé. Si on a fait le quatrième temps, on devrait pas être trop ridicule. Ah bah l'IA aussi en fait elle est au ralenti. Ok, ça me rassure un petit peu. C'est pas des bourrins qui vont trop vite à chaque virage. En plus regardez, il nous a poussé un petit peu. Puis je dis que c'est pas des bourrins pour qu'on soit se pousser. C'est pas grave. Ok, bon bah on va voir ce que ça donne. Hein. Allez. Pour l'instant on est 3ème sur 8. Et finalement il y aura 8 voitures, mais j'en vois. Oui, il y en a 8 sur la piste. Donc le 2 notes qualifying, on se rend à quoi ça finalement.
Alors je pense que le mieux, ça reste de jouer en manuel. Ça permet vraiment de mieux doser les rapports et limite, quand je commence à glisser, ça nous permet de monter le rapport d'un coup pour reprendre le grip. Ah, typiquement, voilà, j'aurais dû reprendre le grip plus tôt. Elle nous a poussé. Et ça va. On a réussi à reprendre notre place. Par contre, devant, ils ont l'air vraiment rapide. Oula, j'ai vu que je connais. Je vais partir dans le décor. Mais comme d'habitude, à ce virage, apparemment. Et voilà, on a perdu encore un peu de temps. Ouais, j'ai du mal hein, à reprendre le grip, c'est... Wouah, puis je me suis même fait passer pour la voiture qui derrière nous a bouché au démarrage, au freinage, pardon. Bon, je fais n'importe quoi. On s'est surdoublé par tout le monde. Allez, est-ce qu'on va réussir à passer? Non, pas du tout. Il nous a mis un gros vent. Alors peut-être que j'ai des réglages qui sont pas très bons pour la vitesse de pointe, hein. ça peut se comprendre. Il nous a poussé, c'est parfait. Là, il nous a repoussé derrière. Je pense qu'il faut moins glisser possible, hein, tout simplement. Voilà. On va éviter de glisser un peu trop fort dans les virages. On va tapoter un peu à l'intérieur. Alors, on va essayer de la repasser pour reprendre la troisième place qui correspond au podium. Attention, gros freinage à cet endroit. Ouais, j'évite de glisser, comme ça au moins on prend le grip. Ah, j'ai peut-être compris en fait comment il faut la jouer. Il faut la jouer ultra sobre, même si là j'ai glissé comme une merde. Ah, là je me suis loupé complètement. Ah, j'ai complètement oublié de freiner. Vas-y, pousse-moi, même un coup de boost, c'est parfait. Là ça se passe bien. Ah, voilà, là par contre j'ai tout perdu. Et voilà, j'ai tout perdu quasiment à la fin de la course. Aïe aïe aïe, j'ai fait n'importe quoi. Ah, c'est dommage là, j'ai fait une grosse bêtise et du coup j'ai tout perdu. Bon, c'est... Ça me pendait au nez, hein. Est-ce que je pourrai dépasser au dernier moment, elle? Ouais, c'est bon. J'ai un peu de peur en fait. Oh! Ah non! J'ai cru que le jeu allait être sympa. En fait, ouais, il m'a laissé un petit peu passer, mais pas tant que ça. Oh non! Je suis 5ème! Quel dommage! Même pas, je crois que je suis 6ème d'ailleurs. Alors, fini 5ème. Bon, même pas. Hein. Si c'est bon, il l'a pris. Attendez, temps 3,56, ça c'est les écarts. je viens de remarquer un énorme bug, les gens. Regardez. On est d'accord que j'ai fini 5ème. D'accord. Regardez mon temps d'écart avec le premier. 10 secondes 523. Le 6ème termine 6ème. Avec un temps qui est plus proche, il est en 10,489.
C'est un énorme bug, ça, on est d'accord, il y a un problème là. Bon, c'est pas grave. Du coup, au classement, eh ben, on est 5ème, parce que là, c'est extraordinaire. Mais on marque quand même des points, donc ça c'est cool. On va donc passer à la deuxième manche. On va faire. C'est Japan Court. On va faire des réglages. J'ai envie de régler la boîte. Enfin, une boîte courte. Mettre le maximum d'ailerons pour pouvoir tourner. Bon, moi j'aime bien les ailerons. Les pneus, on va les garder en 1. Ok. Et on va démarrer les qualifications. Sur un tour. Sur le circuit donc du Japon, celui que je n'ai pas pu vous montrer au début. Ah, attendez, je touche rien. Voilà, c'est bon. Parce que j'avais un petit bug. Ok. Ok, on va essayer de bien prendre les virages, pas trop faire d'erreurs. Donc là, on est en plein milieu d'une ville japonaise, je ne sais pas laquelle. Très difficile à deviner. Ok, donc on peut aller à fond. Maintenant, on découvre le circuit ensemble. Parce que regardez, sur le circuit, en fait, quand c'est un petit peu un virage à droite ou à gauche, c'est quand même des virages plutôt élevés, peu prononcés. Ça manque cruellement de musique, hein. C'est un peu dommage. Ah, j'y vais tranquillement. On découvre le circuit ensemble. J'ai pas une vitesse de pointe énorme. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout la reprise. Donc, une boîte un peu plus courte. On peut rentrer dans les pits aussi. Allez, c'est parti, premier tour. Bon, on a tapé, c'est pas grave, j'ai l'impression qu'on peut pas tant que ça si on tape les murs, enfin, en tout cas dans cette configuration là ça a l'air d'aller. Alors les envolées lyriques du moteur sont assez désagréables, hein, quand on monte dans les tours. On est quand même à 7000 tours minute, regardez-moi ça, hein, c'est énorme. Je sais qu'on peut prendre les virages plutôt à fond, ça passe. Là, on reste comme ça. Par contre, voilà, là, il va falloir freiner très très fort. C'est quand même assez technique, hein, le pilotage, même si c'est pas spécialement réaliste, c'est quand même. Enfin, il faut y aller quoi. Je suis allé peinard, j'espère que ça va être au bon. Ouais, pas mal. Faut qu'on a compris qu'il faut pas trop déraper. Cet arrêt, on dirait l'arrêt de Colin McRae. Hein. Oh, regardez-moi ça, c'est une pole position pour le team Supra JZA 80 Toyota Castrol Team. Incroyable, avec 2 dixièmes d'avance sur la Skyline. Mais je m'attendais pas. Sincèrement, je m'attendais pas. Allez, on va faire l'épreuve 2. Et puis on se laissera là-dessus, on va juste faire cette petite preuve, cette petite course, pardon. Et voilà, je pense que de toute façon, vous aurez compris un peu le jeu. Hein. Pas grand-chose de plus à rajouter. Donc du coup, on part en départ lancé, ça c'est bien. On a 3 tours à faire, on va essayer de s'en sortir le mieux possible. Donc attention au premier freinage. Je pense que si on se concentre, si on a réussi à faire la pole, ça veut dire qu'on peut réussir. Oh, on a déjà de l'avance d'ailleurs. Hein. On peut réussir à remporter cette course.
Ah ouais, je suis à 249 km/h, hein. J'ai pas beaucoup de vitesse de pointe. Je pense que c'est pas trop grave, on va taper un peu, mais c'est pas trop grave. Alors, faut vraiment faire attention au point de freinage, voilà. Ouais, donc c'est un jeu en fait où vous pourrez pas être bourrin. Concrètement, vous allez vous amuser à être en bourrin, c'est-à-dire en essayant de déraper. Mais si vous voulez vraiment être efficace, bah, il va falloir justement déraper le moins possible. Donc c'est assez piégeux comme dans d'autres jeux parce qu'on se dit, ouais, c'est cool, le jeu est fait pour déraper, on va s'amuser, etc. Mais en fait, non, pas du tout. il vaut mieux aller calmement et prendre son temps. Alors, si on se réfère à la petite map, là j'ai fait encore n'importe quoi, on a un petit peu d'avance, donc ça va, on n'a pas trop pris d'avance quand même sur la fin du tour. En tout cas, ce qui est clair, c'est que je préfère la version 64 à la version Play 1 qu'on avait fait, qui était en vue isométrique. Je trouve ça scandaleux d'ailleurs. Le jeu donnait trop envie et finalement, à la fin, on se retrouve avec un vieux jeu en 3D vide dessus, enfin sur les côtés. C'était vraiment dommage. Là, au moins, on a un vrai jeu. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait reprocher à ce jeu ? Ah, possiblement un manque de contenu, parce que j'ai l'impression qu'au niveau des circuits c'est assez faible. Mais hormis ça, et la manimité qui est quand même très bizarre, les collisions ne sont pas très bien rendues. Bon, on va dire que ça passe quand même, c'est pas un mauvais jeu. En tout cas, 64 dans un type de jeu qui est assez restreint malheureusement. Enfin, pour la F1 il y a quand même un petit peu de choix. Ça reste très correct. Je ne recommanderais pas ce jeu, mais je dirais pas que c'est un mauvais jeu, loin de là. Techniquement parlant, il est moyen. Voilà. Alors, si on gagne la course, j'aimerais, pour voir un peu ce que ça donne, est-ce qu'on aura une petite cinématique ou une petite animation, ça je ne sais pas. Dans la première course, on n'avait pas fini sur le podium, du coup c'est ce que je voulais faire pour voir s'il y avait quelque chose d'intéressant. En espérant que là ça va passer. J'ai gagné pas mal d'avance hein, sur eux. Je pense que ça va être faisable. Oui, je suis à 248, hein, je suis pas très rapide. Ah, c'est énorme hein, sur un circuit en ville, on est d'accord, mais. En fait, c'est un jeu qui donne envie de drifter, mais il faut pas drifter. C'est paradoxal. C'est donc c'est pas un Ridge Racer, dans l'idée. Allez, plus que quelques virages, je pense qu'on va pouvoir s'imposer. Voilà, je prends mon temps, hein, sincèrement. Je fais en sorte de ne pas faire d'erreur. Je suis un virage, j'ai pas si serré que ça. Et voilà, donc on va s'imposer peut-être même un meilleur temps autour. Ouais, 14-700. Et on a fini premier. C'est cool. c'est cool. Bon voilà, on a fait le meilleur tour en plus, du coup au championnat, bon on va pas faire la suite, mais vous aurez compris de toute façon. Alors pourquoi il y a deux pilotes? C'est tout simplement que les pilotes de souvenir se relient, puisque les courses duraient pas 50 minutes, hein, donc... Et là du coup on est deuxième au classement, c'est parfait. Voilà, bah écoutez, on va se quitter là-dessus, donc c'était GT Championship, ah, GT 64, pardon, Championship Edition, sur Nintendo 64 bien entendu. J'espère que ça vous a plu, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao tout le monde!